Bienvenue ce matin à notre série d'été. Euh, sur la guérison, et plus particulièrement ce matin, la guérison des offenses, la deuxième partie euh, du message. Bienvenue à vous ici, euh, à Nouvelle Vie, mais aussi à tous ceux euh, qui regardent les messages <coughs> sur les médias sociaux de toutes les, sur nos différentes euh, plateformes, en Facebook Live, en streaming, euh, et aussi, euh, c'est assez, j'ai touché de voir ça euh, cette semaine sur notre chaîne YouTube où les messages sont là. Et même euh, récemment, un simple message sur la prière, récemment, avait 10 000 euh, téléchargements. Alors, il y a des gens partout à travers le Québec et la Franco euh, qui suivent ces messages. Est-ce qu'on peut accueillir la francophonie ce matin? là Un cri de bienvenue pour tous ceux qui sont, se joignent à nous. Nous sommes dans la deuxième partie de ce message sur la guérison des offenses. Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas d'offense. Le mot offense, c'est le mot scandalone, uh, scandalizo, qui veut dire littéralement un piège. C'est un piège. L'offense est un piège spirituel. J'ai trois, je ne suis pas prophète, mais j'ai trois prophéties pour vous ce matin qui sont garanties de s'accomplir dans la prochaine année. La première, c'est que dans la prochaine année, année, à un moment ou à un autre, vous allez être offensé et vous allez avoir besoin de pardonner. La deuxième prophétie, c'est que dans la prochaine année, sans le vouloir peut-être, vous allez offenser quelqu'un, vous allez avoir à demander pardon et quelqu'un va avoir à vous pardonner. Personne dit Amen. C'est correct. Je vais continuer tout seul. Euh, la troisième prophétie, c'est que dans la prochaine année, vous allez offenser Dieu d'une façon ou d'une autre et il va avoir à vous pardonner. Combien sont reconnaissants pour le pardon de Dieu? Mm -hmm. Jésus a donné un texte extraordinaire qu'on a étudié en profondeur lors du premier message. Combien d'entre vous étaient là lors du premier message sur les offenses? Okay. Combien d'entre vous n'étaient pas là? Soyez pas gênés, votre main, c'est les vacances pleines. Là. À tous ceux qui ont la main si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui n'était pas là, voulez-vous lui dire, c'est pas pareil quand tu n'es pas là? Dites ça à la personne près de vous. pas pareil quand tu n'es pas là. Et on a étudié en profondeur, le message est déjà en ligne. Alors allez voir ça, c'est une étude qui est importante. Un des messages qui a eu le plus de réactions, le plus de réponses. Euh, de, euh, depuis le début euh, de l'année, on a vu dans Matthieu 24 que Jésus a dit euh, Plusieurs seront offensés. Dans les derniers temps, ils vont être offensés, et alors qu'ils vont être offensés, euh, ils vont trahir, ils vont haïr et ils vont se refroidir. Mais celui euh, qui euh, persévérera dans le pardon, dans l'amour, euh, dans la guérison des offenses, c'est lui euh, qui sera euh, sauvé. Alors, on a vu ensemble que euh, l'offense fait une œuvre tellement euh, titanesque en nous euh, qu'elle nous amène à, à cette trahison, à trahir nos valeurs, à trahir le cœur de Dieu, la. La nature de Dieu, l'image de Dieu, le, les commandements de pardon de Dieu nous amènent à la haine. Et la haine, simplement en termes bibliques, c'est le vide d'amour. C'est comment l'offense nous draine de l'amour, comment l'offense assèche et refroidit euh, euh, notre amour. Et en réponse à, à, cette, à cette réalité, Jésus a donné cette parabole dans Matthieu 18 qu'on a étudié euh, la semaine dernière. Euh, en réponse à Pierre qui a dit combien de fois ce que je vais pardonner, est ce que je vais pardonner trois fois selon leur tradition non, tu vas pardonner jusqu'à sept fois, soixante-dix fois qui voulait dire simplement une représentation tu vas pardonner comme Dieu, tu vas pardonner un pardon sans limite, un pardon qui est divin, un pardon qui ne compte pas, qui ne tient pas les comptes. Pardon, qui est illimité. Et il a donné cette parabole magnifique de celui qui représente vous et moi, qui avait une dette envers Dieu de 1 milliard, une dette qui n'était pas remboursable, impossible pour nous euh, de l'effacer, euh, que Dieu a effacé et qui, alors qu'il a reçu cette grâce extraordinaire, s'en va étrangler celui qui l'a offensé. Alors et Jésus dit, non, il y, y a un poids terrible, celui qui veut ou celle. Ça, chacun d'entre nous, c'est celui qui veut limiter, qui veut mettre en prison, emprisonner la personne qui l'a offensé dans la prison de ce qu'elle lui a fait, de ce qu'ils nous ont fait, c'est lui qui va se retrouver, c'est elle qui va se retrouver prisonnier. Alors, Jésus a dit, vous êtes appelés comme mes enfants, non seulement à pardonner, mais à prier, à prier pour ceux qui vous ont offensés. » Matthieu 5, 43, 47, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu vas haïr ton ennemi. Et Jésus dit, euh, mais moi, je vous dis, priez pour ceux qui vous ont maltraité, qui vous ont fait du mal injustement. Parce que si vous aimez ceux qui sont bons envers vous, euh, que faites-vous d'extraordinaire, dit Jésus? Les barbares aussi, n'est-ce pas de même? Pardonnez et priez pour ceux qui vous ont fait du mal, car c'est ainsi que vous serez... Fils et filles de votre Père qui est dans les cieux. Les fils et les filles de Dieu se distinguent sur la terre par leur capacité à prier. Cette semaine, j'écoutais un reportage et un commentateur qui disait, qui parlait d'une expression que je n'avais jamais entendue, qui parlait de l'industrie du discours que dans les milieux politiques, dans les médias, il y a une industrie du discours où est-ce qu'on a plein de belles platitudes, de beaux idéaux euh, qu'on lance à tout bout de champ que les politiciens se plaisent à les slogans à lancer, mais très souvent sans aucune stratégie, sans aucun comment, sans aucun changement, sans aucune étape réelle, sans aucune intentionnalité de vraiment changer les choses. Et alors que j'entendais ça, je méditais toute la semaine que l'industrie du discours n'est pas seulement dans les milieux politiques. Qu'il y a une industrie du discours dans le monde chrétien aussi, et elle est tellement toxique. Euh, nous, nous avons un discours d'amour, de, de, un discours de générosité, un discours de plein de choses qui, bien souvent, n'ont aucune intention ou euh, un comment réel sur comment est-ce qu'on va... Euh, on va gagner la terre, mais comment vas-tu le faire? Et dans aucune autre sphère, de notre expérience chrétienne, est-ce que l'industrie du discours n'est plus nocive et destructrice que dans la, dans, dans la sphère du pardon des offenses, où nous chantons le pardon, nous prions le pardon, nous, nous déclarons le pardon, nous annonçons le pardon, mais à moins qu'il ne soit pratiqué. Alors la semaine dernière, suite au message, ce que j'ai reçu le plus souvent comme feedback, c'est ⁇ Je sais que l'offense est terrible, j'ai été blessé, comment ?⁇ est-ce qu'on peut pardonner? Comment est-ce que je peux guérir de mon offense? Et à la fin du message de ce matin, euh, ça, vous allez savoir comment. Ça va être votre choix. Et je vais vous donner ce matin une prière. C'est Jésus qui nous l'a donné. Dix mots qui peuvent changer votre vie. Pas seulement, pas seulement les mots, pas si elles sont seulement répétées, mais s'ils sont pratiqués. Euh, C'est le mot de Jésus sur la croix dans Luc 23, 24. Dix mots qui peuvent changer votre vie. Jésus pria, Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière, c'est une prière qui a bouleversé le monde euh, et tous ceux qui l'ont priée sincèrement. C'est une prière à laquelle le Père a répondu pour le pardon euh, de multitudes et, et qui a qui a changé la destinée de centaines de millions d'êtres humains euh, au fil des ans et qui est, au fil des siècles et des millénaires et qui peut changer votre vie à vous euh, ce matin. Le contexte de cette prière, c'est Jésus à Golgotha, un lieu que j'ai visité. C'est Jésus qui était au dépotoir de la ville, euh, une montagne de déchets et de puanteurs, avec des clous rouillés dans les mains et dans les pieds, avec le crachat et le mépris. Est-ce que vous comprenez que la plus grande offense de l'histoire, c'est l'offense de l'être humain qui rejette Jésus-Christ? Et, et, et euh, euh, devant cette offense, les, les deux cloués rouillés dans les mains, euh, en train d'offrir sa vie, en train de mourir d'asphyxie, mourir avec ses bras étendus de pardon, Jésus priera, Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette prière a changé. J'ai vu, j'ai vu cette prière. Changer ici à nouvelle vie au fil de nos, nos, nos 26 ans ensemble. La, la prière de chrétien qui sincèrement demande Seigneur pardonne et qui demande à Dieu la grâce de pardonner cette prière là. Elle a changé, elle change des vies, elle change des mariages, elle change des cœurs, elle guérit des, des, des familles, elle guérit des amitiés, elle guérit des pires tragédies, elle guérit des pires deuils, elle guérit des pires déchirements. J'allais vu ici à nouvelle vie. Et je l'ai vu partout à travers le monde. En personne, je l'ai vu euh, au Rwanda post génocidaire alors que je voyais des chrétiens Tutsi et Hutu euh, s'unir dans le pardon ensemble. Je l'ai vu, euh, je l'ai vu dans la bande de Gaza alors que je voyais j'ai vu des croyants juifs et des croyants arabes au milieu de la guerre et de la haine s'unir dans le pardon des offenses je l'ai vu en Irlande du Nord avec des anciens intégristes euh, catholiques et protestants qui s'étaient assassinés de génération en génération croyants prenant la, le repas du Seigneur ensemble je l'ai vu à Katmandou au Népal alors que j'étais là-bas à partir une conférence de pasteurs et de voir d'entendre le témoignage de, de gens de, ou où l'hindouisme, où une certaine forme de l'hindouisme au Népal, tellement, violemment euh, rempli de haine envers les chrétiens. Les chrétiens sur des générations euh, sont persécutés, les bâtiments euh, sont sont brûlés, les gens sont emprisonnés et, et les, les souvent les chrétiens sont sont euh, euh, appauvris et, et il y avait il y avait dans la ville toutes ces familles extrêmement riches qui persécutaient et écrasaient euh, les chrétiens, un pasteur en particulier qui a des années en prison et lorsque les les, les, les femmes de ces ces hommes ces politiciens ces hommes d'influence étaient des femmes qui dominaient des femmes qui étaient remplies de haine pour les croyants mais lorsque les maris décédaient Lorsque le mari décède, ces femmes qui avaient été si puissantes, qui avaient connu tellement euh, de richesses, se retrouvaient souvent à la rue. Et savez-vous qui les accueillait, qui a créé, et j'étais debout là avec juste euh, avec euh, juste l'émerveillement pour cette série de ces bâtiment bâtiments, de maisons d'accueil pour femmes qui les avaient persécutées, les veuves qui sont maintenant aimées et restaurées et qui viennent à la foi en Jésus-Christ parce que le pardon de Dieu, Père, pardonneur, transforme et change des cœurs de vous dire amen. La prière pour le pardon des offenses ce matin, la définition, le dévoilement et la découverte de cette prière, les différents degrés et dimensions de cette prière et la décision et la direction de votre destinée par cette prière. Lorsqu'on regarde à la définition de la prière de Jésus, pardonne-leur, apiphémie en grec, qui veut dire envoyer, envoyer au loin. Le pardon, c'est envoyer au loin, comme, comme Dieu a envoyé nos fautes au loin. Envoyer au loin, faire disparaître, effacer, ne plus tenir compte de... J'ai aimé cette... Api euh, veut, veut, veut dire littéralement, euh, aller euh, effacer dans le but d'aller vers un autre lieu. Lorsque nous pardonnons, nous disons, je ne mourrai pas ici dans le lieu de mon offense. Je ne mourrai pas, je m'en vais ailleurs. Moi. Je ne veux pas mourir ici dans le lieu de l'amertume, la, dans le lieu du blanc, dans le lieu qui m'attache. Pardonne-leur à PMI. Ils ne savent pas, Eido, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils ne mesurent pas. Ils ne mesurent pas la, la poids, la signification, les conséquences, la profondeur de ce qu'ils ont fait. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas de quoi ils sont l'auteur. Ils ne savent pas le mal qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce que leur action a produit dans notre vie. Et de quoi ils sont responsables. Il y a quelques mois, l'an dernier, j'étais dans mon bureau avec un papa qui est un homme extraordinaire, des parents magnifiques. De notre Église. Des gens, juste un, un homme bien, un homme de cœur. Et il était dans mon bureau, il pleurait euh, et avec euh, une histoire d'horreur, de, de souffrance terrible dans sa maison, son fils. Euh, et sans donner les détails, mais, mais le, le, le déchirement que ce garçon cause à ses parents et, de, et de la tristesse. Et, il y avait, et, et je, à un moment donné, j'ai fait le tour de la table, j'ai mis mon bras autour de lui, puis euh, je le portais dans mes bras, et puis on priait ensemble. Et, et lorsqu'il a quitté mon bureau, avec foi pour l'avenir, lorsqu'il a quitté mon bureau, j'avais cette pensée, le, parce que je connais le garçon, j'avais cette pensée, ce fils. Là, a aucune idée le mal qu'il fait à son père. Et le lendemain matin, j'étais en prière et, et je marchais dans mon bureau et je, je, je me suis mis à prier pour lui encore. Euh, et j'avais encore cette pensée. J'avais cette pensée et j'ai presque dit ça à voix haute. Ce garçon-là, là, il n'a aucune idée de l'offense envers son père. Il n'a aucune idée le mal qu'il a fait. Il n'a pas d'idée de ce qu'il fait comme Jésus a prié. Et alors que j'étais là, avec beaucoup d'amour, aucune condamnation, mais avec beaucoup d'amour, cette pensée est venue comme un éclair dans mon esprit. Je me suis mis à pleurer. Comme si Dieu me disait Claude, mon fils, tu n'as pas d'idée comment ton péché m'a offensé. Tu n'as pas d'idée comment, comment ton péché m'a offensé. J'ai été saisi d'un sens de juste... Je de, me suis mal loué Dieu, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie, tout ce que tu as pardonné, tout ce que tu as effacé. Merci, Seigneur, pour ta fidélité dans ma vie. Avez-vous ce cœur ce matin de dire merci, mon Dieu? Voulez-vous l'applaudir pour son amour, son pardon? Mmh, ta grâce. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette prière, ce n'est pas, attention, ce n'est pas pour déresponsabiliser. Ce pas une prière qui déresponsabilise. Ah, ils ne savent pas ce qu'ils font, qu font. Non, non, c'est une prière pour, qui est une décision pour ta destinée à toi, pour te libérer. Ce n'est pas une réconciliation garantie ou obligatoire. Beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que je suis obligé de, est-ce que c'est automatiquement, il faut que ça soit, non. Il y aura des moments où il ne peut pas y avoir de réconciliation, mais il peut y avoir, pardon. Ce n'est pas pour une réconciliation garantie ou obligatoire. Chaque cas est particulier. Mais c'est pour guérir, se relever et c'est pour aussi ouvrir ton cœur à la vie nouvelle que Dieu a pour toi à la prochaine étape de ta vie euh, dans le pardon. Ce n'est pas une licence pour l'abus. Mon mari m'abuse. J'avais la violence parce que si je le pardonne, je suis obligé de retourner. Ce n'est pas une licence pour l'abus. C'est pour libérer ton cœur et pour apaiser. Cette prière est tellement plus qu'une définition parce qu'aussi elle dévoile notre cœur. Elle dévoile l'authenticité de notre marche avec Dieu. Alors, c'est une bonne question. Jésus a prié, Père, pardonneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une bonne question, lorsque tu es offensé, est-ce que tu pries? Et si tu pries lorsque tu es offensé, souvent lorsqu'on est offensé, il y a bien des gens qui ne prient pas. Ils vont juste se plaindre et juste s'enfoncer dedans. D'autres vont prier. On va souvent prier, Seigneur, guéris-moi, aide-moi, soulage-moi, console-moi, bénis-moi. Et c'est bien. Mais est-ce que tu as déjà prié, comme Jésus enseigne les prières, est-ce que tu as déjà prié, Seigneur, pardonne-leur? Euh, euh, Seigneur, je veux que le pardon soit dans mon cœur et que ton pardon soit dans leur vie. Est-ce que tu as déjà prié cette prière-là? Parce que Jésus dit que cette prière-là, elle révèle beaucoup de choses. Que cette prière révèle le cœur. Qu'en en fait, selon Jésus, c'est au fruit que nous mesurons vraiment notre foi. C'est la capacité de pardon qui détermine le cœur et la profondeur d'un croyant. Écoutez-moi bien, votre croissance, votre épanouissement en Dieu, la, la, la communion que vous allez avoir, l'impact que vous allez avoir, la bénédiction que vous allez avoir sur votre vie, va être directement proportionnel à votre capacité de pardonner, à relâcher, à guérir de l'offense, mais aussi va, bah, bah, comme rien d'autre selon Jésus, révéler ce qu'il y a dans votre cœur. Jésus dit une séquence importante euh, dans le, con, la compréhension de la vie spirituelle. Il y a le cœur, du cœur il y a la bouche et de la bouche il y a les actions. Du cœur, la bouche, les actions. Dans, dans Matthieu, c'est un dévoilement de cette prière lorsqu'elle est faite ou non faite. Matthieu 12, qui, euh, ou bien dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit, car c'est de l'abondance du cœur, le cœur, que la bouche parle. Et l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de, mauvais, de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le cœur, les paroles, les, les actions. Jésus dit en fait, si tu veux savoir, si tu veux mesurer l'authenticité, la profondeur, la maturité, d'un croyant, euh, et si tu veux vraiment savoir ce que tu as dans ton cœur, c'est paradoxal lorsque des gens qui sont remplis d'amertume disent oh, ben Dieu connaît mon cœur. De l'abondance de ton cœur, ta bouche parle. Et si tu vas avoir un examen de ton cœur spirituellement, c'est du cœur et tes paroles et tes actions. Et dans mes 35 ans de pastorat, il y a plusieurs niveaux d'offense. La Bible enseigne ça. Il y a plusieurs niveaux d'offense. Le premier niveau est un niveau d'offense que j'appellerais les trois dimensions au degré du pardon, de l'offense et du pardon de l'offense. Le niveau 1, j'appellerais ça un niveau qui détermine notre santé et notre solidité spirituelle. Ça indique beaucoup de choses. Une des marques de quelqu'un qui est mature devant Dieu selon la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 13, parole vivante, versets 4, 5 et 11. L'amour ne s'offense pas facilement. L'amour n'est pas provoqué facilement. L'amour est patient et plein de bonté. Lorsque j'étais comme un enfant, j'étais immature. Je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant, mais je suis devenu un homme, une femme mature, dit Paul. Et j'ai fait alors disparaître ce qui était de l'enfance. Le, la capacité de pardon ou de non-pardon, une bonne question pour toi ce matin, es-tu quelqu'un qui a le pardon facile? As-tu quelqu'un qui s'offense difficilement? Que, que l'amour de Dieu, lorsqu'il est répandu dans le cœur, fait qu'une personne ne s'offense pas facilement, une personne n'est ne, 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 pas provoquée facilement. Puis il y, a, il y a un niveau de réaction chrétienne. Après toutes mes années de pastorat je vais être un peu, je vais un petit peu de confession ce matin de votre pasteur, après toutes ces années, euh, il y a un niveau de, de chrétiens qui s'offense pour des choses qui me font avoir cette réaction où tout en moi monte et dit, really? Vraiment? C'est l'offense de ça, toi. Fait, toi, tu m'as pas regardé, tu m'as pas dit merci, tu m'as pas dit bienvenue, tu m'as pas dit que Dieu te bénisse, tu regardes les l'autre, tu n'as pas regardé moi. Euh, pas, a... euh, quand j'étais un enfant, je pensais je parlais comme un enfant. Je tapais du pied, je pleurais, je jetais mes jouets, je disais, t'es plus mon ami! Est-ce que vous me suivez? Faudrait pas dire il y a eu une maturation qui a pris place. Lorsque j'étais pasteur de jeunes adultes je, pasteur de jeunesse, dans mes jeunes années, je faisais face à ça, C'est une base régulière. Je me souviens d'un jeune homme, 14 ans, qui est rentré dans mon bureau. Ben, moi, je veux m'en aller chez nous. Mes parents n'ont pas la lune. Les parents étaient des piliers dans l'Église. Mais ben, Voyons, euh, pasteur il faut que tu me défendes, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu parles à mes parents. même euh, euh, On pourrait même appeler à la DPJ. Qu'est-ce qui s'est passé? De département de la protection de la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Là, pour m'expliquer que lui euh, désirait une certaine sorte de basket, Nike ou whatever, et ses parents, sa mère, est allée au, à, à l'aubaine des valeurs, au magasin, et elle avait acheté des souliers qui étaient complètement un sujet de honte et de traumatisme pour lui. En passant, ce garçon-là, c'est le pasteur Christian Robichaud, qui est maintenant pasteur en France. Homme de sagesse et de maturité. À 14 ans, c'est comprenable. Oh, et je lui ai expliqué qu'à euh, 14 ans. Mais à 24, ça aurait été un peu dur à prendre. À 34, à 44, à 54. Lorsque j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Really? Really? Lorsque quelqu'un que, que je connais bien, que je ne nommerai pas, tout à coup se nomme prophète évangéliste dans les nations, et, et on est à une partie de. de et, et se déclare grand prophète des nations, et on est en une partie de baseball, où des enfants de huit ans jouent au baseball, puis tout à coup l'arbitre fait un appel, puis un fou qui sort des estrades, se met à engueuler l'arbitre, les vociférants, l'écume à la bouche, et moi je regarde avec ahurissement, c'est le prophète. Really? Vraiment? J'aimerais le dire de cette façon, c'est pas très, c'est très québécois, c'est pas très euh, sophistiqué, mais il faut que les bottines suivent les babines. Il faut que la, ta marche reflète ta maturité dans le pardon. C'est ce que Paul dit dans Galates. Je dis donc, marchez dans l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les œuvres de ton humanité le sont. Sans l'esprit de Dieu, elles sont évidentes. Elles sont manifestes. Querelles et disputes et jalousies et envie et animosité et division. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Dites à votre avec moi maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi. Si nous déclarons vivre par l'esprit, vivons par l'esprit et marchons par l'esprit. Question Est-ce que votre fragilité a la fracture? de l'offense, vous là vous fracturez facilement. Est-ce qu'elle ne serait pas une indication un, que simplement vous n'êtes pas en forme spirituellement, vous n'avez pas un bon mode de vie? Mon ami Tim Delina, qui est prêcher ici au mois de novembre, un pasteur formidable, un prédicateur de feu, extraordinaire, qui a voyagé avec moi partout dans le monde, euh, et était dans son, son jeune âge, un grand gaillard, et était un athlète exceptionnel. À son jeune âge, jouait de tennis de haut niveau, il jouait au football, il a fait toutes sortes de choses. Dans la quarantaine, alors qu'il était dans le pastorat, et alors qu'il étudiait beaucoup, et alors qu'il avait fait de maîtrise en même temps, il a cessé de s'entraîner, etc., etc., et puis il n'avait pas le temps de faire de l'exercice, il avait pris pas mal de poids. Et un jour, alors qu'il faisait une partie de balle molle avec les chrétiens de l'Église, on ne parle pas de choses. Violente. Il a frappé la balle, puis lorsqu'il a tourné le premier but, son, sa cheville a plié. Il y a eu une multifracture de la cheville, du tibia et des déchirements du genou. Ça a été huit mois sur des béquilles. Et le médecin, lorsqu'il le réparait, et le, le, le physiothérapeute, lorsqu'il est arrivé par la suite, il a dit Monsieur, il y a des millions de personnes qui auraient fait la même chose que vous, puis il n'y eu aucun problème. C'est juste que vous n'êtes pas en forme. You're in bad shape. Vous n'avez pas de muscles et, ça, et si, ça va être long pour réparer ça. Et par la suite, si tu veux pas que ça recommence et que ça recommence, il faut que tu te mettes en forme pour que ton mode de vie change. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque tu as quelqu'un qui est perpétuellement offensé, son mode de vie, son mode de vie chrétien, n'est pas. c'est impossible qu'il ait, parce que la parole de Dieu nous donne un mode de vie pour le pardon. Dans Colossiens 3, 15 et 16, pardonnez-vous les uns les autres, marchez dans la gratitude et la reconnaissance. Parfait! Comment on fait ça? instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par la parole, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur. Et quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Si tu veux grandir, transcender, si tu veux graduer, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je réussissais comme un enfant, je tapais du pied, puis je jetais mon joie par terre, puis je disais, tu n'es plus mon ami. Je faisais des crises au centre d'achat à ma mère. Mais maintenant, je veux je veux graduer spirituellement. Je veux avancer. Et il y, a, il y a une recette qui est là. Il y a une recette où il y a, a instrui, « instruisez-vous ». Il y a une recette où euh, je, je me nourris. Lorsque tu vois quelqu'un qui est perpétuellement offensé, c'est impossible qu'il s'instruise puis se nourrisse de la parole. Celui qui veut avoir cette santé spirituelle, où il n'est pas en train perpétuellement, de s'offenser, où il est lent à l'offense et ne se, où il marche dans sa guérison, en guérison et en perspective, il va avoir la parole. Il va avoir le peuple. Il n'est pas isolé. Il est, il est en partage avec d'autres chrétiens, vous exhortant les uns les autres. Il va avoir la présence de Dieu dans sa vie, chantant des cantiques, des hymnes. Pas seulement à l'Église, dans vos cœurs, à Dieu. Dire, c'est très primaire comme illustration. Il y a quelques jours, quelques semaines, la semaine passée, euh, je me suis vu le matin et il y il a dû avoir un banc d'oiseaux qui ont passé au-dessus de chez nous. Ma voiture était couverte du crotin euh, des oiseaux qui ont passé. Alors je suis allé carrément au lavoto. et j'étais dans le lavoto, worship à fond, euh, worship à, et, et, et j'étais dans, dans ma voiture et le tout a je suis en train de se, se faire laver, toute la crotte est en train de s'en aller. Euh, belle image. Euh, et alors que j'étais dans ma voiture, j'étais tellement touché par la louange que j'étais dans ma voiture. Je suis tout seul dans un car wash, je suis en train de euh, faire un spectacle, mais j'étais dans ma voiture puis je pleurais. Et j'étais frappé par le car wash et toutes les choses qui. qui, qui lorsque j'ai sorti, le l'auto est immaculé. Et il y avait dans mon esprit, comme si Dieu disait, c'est ça que ma présence fait ma présence lave tout ça. Ma présence washes it away. Quelqu'un qui continuement continuellement en offense, en offense, ça se peut pas qu'il soit dans la présence de Dieu parce que lorsque tu vas dans la présence de Dieu, chantant dans ton cœur, dans la parole, dans sa présence, dans, avec son peuple, il y a un washing qui prend en place puis il dit même il y a une perspective spéciale. Et eh, lorsque tu es dans la parole et tu t'instruis et tu exhortes et tu en partage, et tu es dans la présence de Dieu et en louange, et par-dessus ça tu as un sens de tout ce que je fais, mes paroles, mes actions doivent être faites au nom du Seigneur Jésus. J'ai une perspective que, que je ne je réagis pas à tout, tout le temps et pour n'importe quoi, parce que j'ai une vie plus importante que ça. Je représente le Seigneur Jésus. Je veux honorer Jésus. Je veux témoigner Jésus, non seulement par des versets, mais par ma vie, par ma grâce, par mon pardon. Je veux que mes enfants et tous ceux qui me connaissent voient la grâce et le pardon de Dieu en moi. Quelqu'un devrait dire oui. Le premier niveau d'offense, et de pardon détermine souvent notre santé et notre vie spirituelle. Mais le deuxième niveau, c'est l'offense qui nécessite un pardon. Et le premier, c'est simplement, faut que tu réalises, il faut que tu reconnaisses, puis que tu reviennes et que tu renouvelles ton, ton cœur. Mais le deuxième niveau de l'offense, c'est l'offense qui déchire. On en a parlé la semaine dernière. L'offense qui cause beaucoup de, de souffrance. Comme votre pasteur, comme votre berger, je voudrais t'épargner ça pour le reste de ta vie. Je voudrais mettre mes bras chaque semaine autour de chacun d'entre vous pour que vous n'ayez pas à vivre ça. Parce que les, on, là, on parle ici d'offense, on ne parle pas de tu m'as pas regardé, tu ne m'as pas. On parle d'offense, on parle de, de la trahison d'un ami. On parle d'un adultère, on parle d'une infidélité, on parle d'un abandon, on parle d'un rejet. On parle de l'ingratitude de celui à qui tu as tellement donné, qui non seulement te rejette, mais se détourne contre toi. On parle à quelqu'un avec qui tu as, as mis toute ta confiance et qui te déçoit tellement. On parle du pattern destructif où ça fait tellement mal que le Proverbe 18 dit que cette personne-là offensée, elle est en danger parce qu'elle peut s'emmurer se, se, dans son offense et devenir inatteignable comme une ville fortifiée. Elle est difficile à gagner, plus difficile à gagner qu'une forteresse. Ses offenses sont comme les barreaux d'un donjon, d'une cellule. Il y a, il y a cette, on a tous vécu. Il y a tellement cette, cette tendance, cette, tellement cette tentation. Je veux juste m'isoler, je veux juste être à l'écart. Et le texte dit même, elle en vient à rager contre toute personne qui a sa... Et j'ai vu des gens tellement qui avaient connu aimer Dieu, marcher avec Dieu, aimé sa parole, sa maison, mais dans l'offense, lorsque tu la laisses faire son œuvre de poison en toi, des gens qui sont pas capables d'entendre quoi que ce soit d'autre que d'autres personnes qui nourrissent mon offense, que d'autres personnes qui sont offensées comme moi, euh, euh, je le suis. Et, et, et c'est tellement, tellement significatif, c'est tellement spirituel. Dans le Proverbe 18, il y a ce portrait-là. Il dit la personne qui laisse l'offense faire son œuvre, cette personne-là, elle est comme dans les murs, elle est comme dans les barreaux derrière les barreaux d'un donjon. Et l'apôtre Paul, lui, nous donne un portrait dans la Nouvelle Alliance, après la résurrection de Jésus, un portrait spirituel dans l'invisible de ce qui prend place à la personne qui ne pardonne pas. Il dit dans Ephésiens 4 si vous vous mettez en colère, ne pêchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère ne donnez pas accès au diable n'attristez pas le Saint Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé que toute amertume, animosité, colère, calomnie, toute la méchanceté qui peut y avoir lorsqu'on a été offensé, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je commence en disant si vous, ne, si vous vous mettez en colère, ne pêchez pas. La colère est, est, fait partie de l'expérience humaine. Nous pouvons, euh, nous pouvons avoir, vivre des moments de colère sans péché. La colère devient péché lorsque l'offense devient non-pardon, amertume, rancœur, attaque, réplique, blessure et, méchant, et, et, et méchanceté. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand j'étais, lorsque je suis arrivé au Seigneur, les jeunes couples, on avait des, si on avait un séminaire de couple, par exemple, souvent c'était enseigné de cette façon, on disait aux jeunes couples, allez, acceptez jamais d'aller vous coucher le soir. Si vous avez une, une chicane, allez pas vous coucher le soir sans avoir réglé ça. Et souvent, on se couchait tard. Et moi, au fil des années, après 30 et plus années de mariage, j'en suis venu à une conclusion que c'est un très bon principe, tu ne vas pas être couché, fâché. Mais il y a des fois où il faut juste arrêter et on recommence demain matin, que tous les gens mariés disent Amen et Amen et Amen. Non, le principe est simplement dire « ne tarde pas, laisse pas la colère devenir, parce que la colère, c'est comme un feu de broussaille qui a l'air de rien, qui devient une un, un feu de forêt que plus personne n'est capable de contrôler. Alors Jésus dit, il faut que tu le règles le plus rapidement possible. Mais l'apôtre Paul dit, mais, mais, mais l'apôtre Paul donne aussi un portrait hallucinant. Rappelez-vous, à Proverbe 18, celui qui, est, qui reste dans son offense il est dans, derrière les murs, bar, des, des barreaux, il est, il est inatteignable. L'apôtre Paul explique pourquoi. Parce qu'il dit, le non-pardon fait deux choses. Le non-pardon donne accès à l'ennemi et il attriste l'esprit. On vient de lire, n'attristez pas l'Esprit, ne donnez pas accès à l'ennemi par la rancœur, la rancune, l'amertume, mais plutôt pardonnez-vous les uns les autres comme vous avez été pardonnés en Christ. Et moi, j'ai vu ça depuis toutes mes années de pastorat, des personnes qui, alors qu'ils laissent l'offense faire son œuvre, l'offense devenir un poison en eux, il y a quelque chose qui prend place. Les murs là, du donjon de Proverbe 18 sont très réels, ils sont spirituels. La personne donne un accès à l'ennemi, à ses pensées et à son cœur. Donne l'aspect au menteur, à, à l'accusateur et l'esprit d'accusation qui vient contre tous et, et contre la personne qui a offensé, mais contre plein d'autres. Et, et alors qu'il est sous attaque de l'ennemi, qui, qui est notre consolateur Qui est celui qui peut nous relever Qui est celui qui nous conduit dans la vérité C'est le Saint-Esprit. Mais dans l'offense, il y a deux choses qui prennent place. Tu es dans une position. Tellement dangereuse. Dans l'offense, il y a deux choses qui prennent place. Il y, a, il y a un accès, il y a un accès à l'ennemi, à tes pensées, à ton cœur, à, tout, à toutes tes actions. Et il y a aussi il y a aussi l'esprit qui, qui est éteint. L'esprit qui est. Alors, il y, a, il y a quelque chose qui prend place de tellement dangereux. Je prie prophétiquement ce matin, je prie au nom de Jésus que Dieu, Dieu me donne onction. Si tu es dans cet endroit d'offense, ce matin est un matin pour fermer la porte à l'ennemi et réouvrir par le pardon l'accès à l'esprit dans ta vie. Au nom de Jésus, vous lui plaisir avec moi. À niveau 1 d'offense, c'est l'offense qui détermine notre santé notre solidité spirituelle. Il faut le re reconnaître, le réaliser. Il faut être renouvelé. Il y a une offense qui déchire et cause beaucoup de souffrance. Il faut relâcher. Il faut simplement relâcher afin de revivre. Mais ce matin, la dernière pensée, c'est qu'il y a un niveau 3 de l'offense. C'est l'offense qui demande une décision. Et qui a besoin du surnaturel. Il y a un niveau d'offense dans la vie humaine que sans l'aide de Dieu, l'être humain ne peut pas s'en sortir. Il va devenir ce qu'il a détesté et même ce qu'il a détruit. Il va reproduire. people, people. Il va reproduire ce qu'il a pourtant détesté. Je vous parle d'offense de, de, d'abus, d'abandon, de négligence, de violence. Verbal, physique, sexuel, psychologique. Je vous parle de, de déchirement, je vous parle de dysfonction familiale tellement grave de génération en génération qu'elle produise des carences qui sont profondes, mais comprenez bien, il y a, il y a, en, il y a des offenses que seulement... Dieu, le surnaturel de Dieu, le souffle de la grâce de Dieu peut venir faire dans nos cœurs et dans nos vies. Mais il y a un refus. Il faut relâcher pour revivre. Mais il y a un refus. Un refus qui, avec toutes tes faiblesses humaines, tu viens, la personne qui est, qui est ici aujourd'hui ou qui parmi nous voit ce message et qui est dans cette offense-là, le profonde, ce déchirement-là, tu as besoin. Demande à Dieu de t'aider. Ce matin, je vais juste terminer avec ces. Il y a un refus qui ouvre la porte au souffle de la grâce et du surnaturel de Dieu. C'est un refus de ne pas régler. Je refuse de ne pas régler la situation. Matthieu 18, 15, je pense que c'est marqué 5, c'est 18, 15. Et si ton frère a péché contre toi, va, règle-le. Entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné. Un frère. Je refuse de le rester dans cet état. Je, je refuse de ne pas, de, de ne pas le, le régler. Je refuse d'en de, parler à tout le monde excepté à lui. Si ton frère, il n'y a pas de déni, c'est pas non, je, je vais dire que je suis correct. Non, ton frère a péché, t'as fait du mal. Va le voir lui ou elle si c'est possible. Mais, mais pas parler en parler à tout le monde de l'offense que tu as eue, excepté la personne, comme c'est souvent l'habitude. Non, va voir la personne. Pas, pas toujours, euh, peut-être que tu n'es même pas capable de le faire personnellement, peut-être que tu vas le faire pas verbalement, peut-être que tu vas envoyer un courriel, peut-être que tu vas, tu, tu, tu vas le faire d'une autre façon, mais tu vas chercher à tout ce qui est en ton pouvoir pour le régler. Pas toujours régler comme tu l'avais voulu ou imaginé. On a tous fait des scénarios, quelqu'un nous a fait du mal, on prend notre courage à deux mains, puis on croit vraiment que c'est elle qui est dans le tort, mais on vient, puis on dit, euh, vous avez un scénario, où ce que vous allez dire à la personne, je, je te demande pardon pour ce qui est arrivé, puis la personne, la, les violons se mettent à jouer, et la personne, au ralenti, avec un, un crescendo de musique, dit, moi aussi, je te pardonne. Et là, on se prend dans les bras l'un de l'autre, puis là, il y a un moment, et le film finit, puis on s'en va manger notre popcorn. Est-ce que vous me suivez? Et très souvent, ça ne se passe pas comme on pensait. Si la personne, et Jésus est très réaliste, euh, entre toi et lui seul, s'il t'écoute, il y a quelque chose que tu dois saisir ce matin, il va y avoir des fois où la personne de l'autre côté ne se repentira pas, il y a des fois où la personne ne, ne veut pas comprendre, ne veut pas, la personne va s'endurcir. Tu n'es pas responsable de ses actions, tu es responsable de ton cœur devant Dieu, de libérer ton cœur à toi devant Dieu. Je, je refuse de ne pas régler, je refuse de retarder ou de remettre toujours à plus tard. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la là, et va d'abord te réconcilier. Puis viens promptement, présenter. puis, puis, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi, réconcilie-toi, cherche à régler autant que tu es capable, promptement avec lui pendant que tu es en chemin, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, que tu ne sois mise en prison. Puis je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier sou. Littéralement, l'enseignement le, du Seigneur ici, c'est que c'est... Tu ne peux pas dissocier ton adoration, ta louange, prendre la Sainte-Sainte, louer, adorer, faire tes offrandes à Dieu de ta relation avec les personnes. Comment peux-tu dire, j'aime Dieu, j'ai mon frère. Ne laisse pas du temps passer. Vas-y, pas retarder, pas plus tard, pas un an, pas deux ans, pas trois ans. Non, j'ai je je besoin d'y aller maintenant parce que c'est de plus. Plus je laisse le temps passer, plus je donne accès à l'ennemi, plus j'éteins et j'attriste l'esprit. J'ai besoin. Et il y a quelque chose aussi qui m'a marqué. Chaque parabole qui enseigne sur le pardon. Il dit, si tu ne le fais pas, c'est toi qui se retrouves en prison. C'est toi qui vas payer un prix. Avez-vous déjà pensé, question, réalisez-vous euh, pour, pour certaines personnes, le prix qu'ils payent et pendant combien de temps ils payent pour leur non pardon, qui volent leur louange, volent leur paix, volent leur adoration, volent tout ce qu'il y a euh, de beau bon à l'intérieur d'eux. Alors, je, je, pour le, ces, ces, ces offrances ultimes, j'ai besoin d'un pardon surnaturel. Autant que je peux le faire, je vais essayer de régler. Je refuse de ne pas régler. Je refuse de remettre à plus tard. Je refuse d'être réduit à ce qu'il m'a fait ou elle m'a fait et ou de le reproduire. Romains 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Laisse le jugement et la vengeance et la rétribution à Dieu. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Tu es en train de dire littéralement s'il est possible en autant que cela dépend de vous tu ne répondras pas devant Dieu pour ce qui ne dépend pas de toi tous répondre pour ta vie à des fois tout ce que moi j'ai pu faire maintenant euh, je l'ai fait je ne serai pas réduit à la mesure de l'autre je ne serai pas réduit à reproduire le mal je vais laisser le jugement et la vengeance à Dieu on a vu la semaine dernière que l'offense est un péché de, est un péché d'idolâtrie où tu prends ton offense et tu la mets au-dessus de Dieu. Elle devient tout. Elle est au-dessus de ses promesses, de, sa, de, de, de son pardon, de ses commandements, mais c'est aussi un offense, l'offense, suivez-moi bien, arrive à la fin, c'est aussi un péché d'orgueil où tu prends la place de Dieu, c'est moi qui vais juger, c'est moi qui, qui venge, c'est moi qui juge. J'aimerais dire ceci, c'est la, la, la racine satanique du tentateur qui dit à Adam, « Tu seras comme Dieu. » Et Satan lui-même qui dit, je serai l'égal de Dieu. Le, le cœur... Le cœur qui a besoin d'une guérison surnaturelle arrive à un endroit où il dit « Je refuse. Je refuse de ne pas le régler avec mon Dieu. Je refuse de remettre à demain, à plus tard tout le temps. Je refuse de reproduire ce qui m'a été fait. Je refuse d'être réduit par ce qui m'a été fait. Je laisse tout ça dans les mains de Dieu. Et je lui demande par sa grâce, viens m'aider à renverser le mal par le bien. Au nom de Jésus, quelqu'un devrait dire oui. Et le dernier refus, le dernier refus, euh, la dernière diapo la 25. Je refuse et alors je vais recevoir. Colossiens 3. Les musiciens vont s'approcher. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a un est sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et manquez pas ceci sous l'inspiration de la grâce. Et le mot ici, c'est littéralement en c'est sous le, le souffle de la grâce. Cette semaine, moi, là, je marchais dans mon bureau, je disais, Seigneur, merci pour le souffle de la grâce qui rend tout possible. Il y a juste le souffle de la grâce de l'Esprit de Dieu, souvent pendant une journée. Je ne nommerai pas de nom, mais je regarde des gens dans la salle qui se sont relevés, non seulement relevés, mais ont renversé le mal par le, le bien à travers des divorces, à travers des trahisons, à travers toutes sortes d'offenses immenses. Et ils ont une chose en commun, c'est le souffle de la grâce de Dieu qui est rempli. Alors, je choisis à chaque jour quel souffle va animer mon cœur. Est-ce que ça va être un souffle de rancœur, un souffle d'amertume, un souffle... Non, Seigneur, je veux que le souffle, le neumat de ta grâce vienne. Tous ceux qui sont ici, qui ne viennent pas habituellement le mercredi soir, venez ce mercredi soir, alors que je veux parler comment à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu vient souffler son souffle de grâce dans nos cœurs. Et, et je me tiens devant vous avec cette absolue confiance, comme quelqu'un après, comme vous, qui a vécu des centaines ou milliers d'offenses, où j'ai été éventré euh, émotionnellement, et où j'ai amené des restes, des morceaux en pièces de mon cœur à Dieu. Et j'ai dit, « Seigneur, je te le donne maintenant. » Viens souffler ta grâce en moi. Je veux te déclarer, t'encourager et te dire, il n'y a aucune offense que le souffle de la grâce ne peut pas restaurer. Il n'y a aucune offense que le souffle de Dieu ne peut pas ramener dans ta vie, restaurer, rebâtir et te faire revivre. Et il y a quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Alors, ceux qui l'ont vécu, voulez-vous applaudir la grâce, le souffle ne mord de la grâce de Dieu? Le dimanche passé, j'étais à l'église Times Square Church, j'ai apporté la parole là-bas. Et à la fin de la réunion, ils ont fait une présentation de bébé. Et euh, j'ai fait le message, j'ai prié tout ça. Et à une présentation de bébé, lorsque je m'apprêtais à sortir, j'avais pris mon avion pour revenir, je m'apprêtais à sortir j'étais arrivé face à face et là, pouf, quelle émotion. Il y avait une grand-maman qui était là, beaming, rayonnante, avec son fils adoptif, sa femme et leur petit bébé dans les bras. Et lorsque j'ai passé, j'ai dit, «Pastor Claude, c'est mon grand-son. C'est mon petit-fils. Oh oui!» elle dit, «On peut-tu prendre une photo avec toi, Pastor Claude? Tu sais, tu sais pourquoi? Tu, -tu prends une photo avec toi. J'ai pris la photo. Je ne la mettrai pas sur l'écran parce que c'est leur vie et c'est quelque chose de très particulier. Cette femme-là, c'est une femme chrétienne qui chante dans la chorale depuis des années, qui aime le Seigneur et qui a été abandonnée par son mari il y a plusieurs années. Et c'était fait avec toute la cruauté qu'on peut imaginer. » C'est presque une, 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 une enseignante, mais c'est presque retrouvé à la rue. Il est parti avec tout. elle a perdu la maison, perdu tout. Il s'est retrouvé avec ses, son fils unique. Et c'est tenu pour Dieu, c'est accroché à Dieu. Son fils, rendu à 18-19 ans, s'est éloigné des choses de Dieu. Et un jour, il était en voiture avec un de ses chums, un de ses copains. Puis ils avaient bu, ils avaient fumé. Et ils ont perdu le contrôle du véhicule. Puis celui qui conduisait a perdu le contrôle du véhicule. Puis ils ont, ils ont frappé. Un, un pilier de ciment, et le passager qui est le fils de cette dame a été tué sur le coup. Puis celui qui conduisait a survécu. Il a été trouvé coupable et, et de, de négligence, tout ça, mais il a été mis dans un centre de jeunesse. Je pense qu'il était, était mineur deux ans avant, avant sa majorité. Et elle, cette femme, il a la funéraille, il y a tout. Et elle n'a pas manqué un dimanche. Elle était dans la chorale, mais elle, disait, elle témoignera plus tard qu'il y a une offense qui était là. Elle, qui était une femme d'amour et de paix, de... s'est retrouvée à avoir une haine, tellement une haine pour ce garçon-là, et aussi une offense envers Dieu. Pourquoi? Comment? Et elle, elle ne connaissait pas tout ça, elle n'avait jamais vécu quelque chose de cette intensité-là, même lors de son abandon, son divorce. Et elle s'est retrouvée, qu elle dit j'étais à l'église, il n'y a plus rien qui... Elle vivait, Proverbe 18, elle vivait... L'offense qui te rend impénétrable. Et je suis arrivé pour prêcher un dimanche où j'étais invité, comme j'ai été dimanche passé. J'ai prêché un message sur le pardon. J'ai été tellement surprise parce que j'aime la prédication de pasteur Claude. Il a une médication pour nous. Puis là, elle dit Je n'étais même pas capable de l'entendre. J'étais tellement, que, 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 euh, tellement, tellement, tellement fâchée. Et toute la, la, la colère, tu ne viendras pas me dire de pardonner parce qu'il a failli après. Que vers, la fin, vers la fin, lorsque j'arrive à ce moment-ci, j'ai commencé à dire maintenant, je vais demander de pencher la tête. Elle était derrière moi dans la chorale. Elle est sortie. Elle a enlevé sa robe de chorale, sa toge. Puis elle sortait que ça sa sacoche. Elle s'en allait dans la ligne s'en allait. Je m'en vais d'ici. Je veux ne pas me dire. pardonner. Et elle s'en allait dans la et J'étais en train de faire l'appel. et J'ai dit ben, je, je sais comment c'est difficile. Je sais comment c'est impossible. Je sais que tu voudrais te sauver en courant. Je ne la voyais pas. Bien sûr, je n'avais rien d'histoire. Mais, mais Dieu te dit c'est un moment de vie ou de mort pour toi. Faut que tu reviennes, faut que tu reviennes. Laisse-le guérir ton cœur. Parce qu'elle était physiquement dans le lobby de l'église, elle entendait sur les haut-parleurs ma voix. Puis elle a décidé de revenir. Elle a fait son chemin jusqu'à arrière à la chorale. Puis il y a des femmes qui connaissait qui sont mis autour d'elle, qui ont commencé à prier pour elle. Je veux te dire ce matin à cet endroit-là. Là, la sincérité où tu as ton offense inguérissable, tu l'offres à Dieu. Toute la puissance du ciel va te rejoindre là. Toute l'action de l'Esprit. La porte se ferme à l'ennemi et il y a une porte qui s'ouvre à une action surnaturelle du Saint-Esprit. Que c'est mis à pardonner. Elle s'est mis à dire je suis pas capable mais tu vas m'aider. C'est ma prière à chaque jour elle a commencé à avoir des, des pensées de relâchement, des pas sur une journée, mais des pensées de relâchement de la personne. Il sait pas ce qu il veut. Et quelque chose d'étrange. Je ne dis, dis pas que ça va être à chaque fois la même chose, chaque personne, mais son cœur à elle était relâché. Elle a commencé à avoir des pensées de compassion pour le garçon qui conduit la voiture. Des pensées un peu folles de dire jusqu'à dire je vais aller, je vais aller le visiter dans le centre de détention. Et lorsqu'elle a fait la demande pour le visiter et qu'elle est arrivée, le garçon est sorti, il y avait une vitre. Et lorsqu'il l'a juste vu, il s'est jeté à genoux. I'm so sorry, I'm so sorry. Please forgive me, please forgive me. Elle dit J'ai eu, c'est incompréhensible. J'ai eu de l'amour et de la compassion pour lui. Je à lui parler. À chaque fois que je commençais à le visiter, à chaque fois que je le rencontrais, il pleurait, puis seulement, c'est elle qui a commencé à le. Elle a à elle a consolé. Elle lui a une Bible, il a donné sa vie au Seigneur, il a été baptisé dans une des sorties de fin de semaine. Et lorsqu'il est arrivé le, le terme, ce garçon n'avait pas de famille, lorsqu'il est arrivé le terme de sa sentence ou sa, sa majorité à 18 ou à 21 ans, il y avait une question est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le prendre à charge Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se porter garant de lui D'une manière complètement surnaturelle, cette dame a dit Moi, je serais prêt à le prendre chez nous. Les premières fois que j'ai entendu ce témoignage-là, j'ai eu de la misère à prêcher parce que ce garçon-là a une voix superbe. Et un matin, avant que je prêche, quelques deux ans plus tard, c'est lui qui est venu chanter avec sa mère à côté de lui. J'étais juste comme. Et là, on se retrouve, je ne sais pas, cinq, sept ans, huit ans plus tard. Il est marié, il a un petit bébé dans ses bras, et la maman est là à côté. Et elle témoigne à toi et à moi que quel que soit le niveau d'offense, le souffle de sa grâce peut et va guérir celui ou celle oh, oh, on doit faire mieux ça est-ce qu'on peut se est-ce qu'on peut donner une véritable ovation à Jésus au souffle de sa grâce est-ce que je peux entendre une 10 secondes d'ovation pour le souffle Seigneur viens guérir par le souffle de ta grâce souffle Alléluia Donne-moi un cœur tout entier, Seigneur, complètement dévoué. Fais ce que tu veux de ma vie. Et ce matin, Seigneur, je prie pour chaque homme ou femme dans ce lieu ce matin qui a, qui a subi cette offense et qui a besoin de ton souffle de grâce. Si vous êtes ici ce matin et vous dites J'ai besoin du souffle, j'ai besoin du souffle spirituel de Dieu, j'ai besoin de relâcher afin de revivre, j'ai besoin de je ne veux pas retarder, je ne veux pas répandre ça, je ne veux pas reproduire ça, je ne veux pas être réduit à ça. Mais ce matin, je viens avec mes limites et mon incapacité, mais je le dis dans toute la sincérité de mon cœur, je ferme la porte à mon ennemi. Et j'ouvre mon cœur à toi, souffle de grâce, souffle de Dieu. Viens faire ton œuvre dans ma vie et avec grand, grand, grand respect. Homme avec homme, femme avec femme, que ce soit quelqu'un que vous connaissez, mais peut-être qu'en ce moment, vous allez vous sentir dirigé de mettre votre main sur l'épaule de quelqu'un près de vous qui a besoin, vous le savez, vous connaissez sa situation, qui a besoin du souffle, des parents qui ont besoin du souffle de grâce à cause de quelque chose qui a pris avec les enfants. Il y a eu séparation, il y a eu trahison, il y a eu blessure, il y a eu dysfonction, il y a eu abus. Ce matin, le souffle de la grâce. Alors que nous nous offrons à lui, alors que nous allons chanter ensemble, toutes, toutes les générations ensemble chantant, Seigneur, donne-moi un cœur tout entier. Et nous allons voir et croire et recevoir le souffle de la grâce de Dieu.